Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike. Et dans cette deuxième vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de pêcher une arme, une boîte de conserve et un poisson. Alors je vous conseille de faire ce défi en foire d'empoigne, comme ça vous n'allez pas être trop dérangé par les autres ennemis. Ensuite vous sautez vers un lieu où il y a des poissons. Bon, des poissons, il y en a vraiment partout. Mais essayez d'aller vers un lieu où vous êtes sûr qu'il y aura un petit banc de poissons quelque part avec une canne à pêche tout près. Ensuite vous pêchez et vous essayez d'avoir un poisson. Si par chance vous avez une arme, bah tant mieux. Il vous manquera plus qu'une boîte de conserve. Alors il faut savoir aussi que si vous avez un harpon, ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne peut-être même mieux. Parce que quand vous avez un harpon, vous pouvez presque à tous les coups avoir une arme quand vous pêchez avec l'harpon. Des poissons, vous pouvez en avoir aussi. Mais vous pouvez avoir une arme facilement avec un harpon et ça pêche deux fois plus vite. Alors quand vous avez votre arme et votre poisson, peu importe le type de poisson, à ce moment-là, vous devez trouver une boîte de conserve. Alors la boîte de conserve, vous pouvez la pêcher n'importe où. Mais ne pêchez pas là où il y a un banc de poissons. Donc vous pêchez vraiment là où il n'y a rien du tout. Vous pêchez, vous pêchez, vous pêchez jusqu'à temps que vous tombez sur une boîte de conserve. Après 10 fois, vous inquiétez pas, même après 5 fois, logiquement, vous allez tomber sur une boîte de conserve. Ensuite, vous récupérez bien la boîte de conserve pour valider le défi. Et voilà qui termine cette petite vidéo. Rien de plus compliqué. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.